Bonjour, bienvenue dans Game Plaisir Yex, où nous allons eh bien, essayer de terminer ce chapitre ou ce contrat rencontre dans Killer 7. Alors Killer 7, hein, je le rappelle, jeu sorti en 2005, jeu du studio Grasshopper édité par Capcom, hein, qui faisait partie du programme Capcom 5. L'homme le plus connu de Grasshopper reste Suda Goichi, No More Heroes, Lollipop Chainsaw. Et d'autres titres. Là, nous jouons à la version GameCube. Le titre est également sorti sur PS2 et il va, ça brouille un petit peu. Bon, bref. Et il va faire l'objet d'ailleurs d'un portage HD puisqu'il devrait débarquer à la fin de l'année, en automne. Il me semble sur Steam, en tout cas, ça avait été annoncé courant cette année, durant cette année. Donc, c'est un jeu. Alors. Le gameplay du jeu, en fait, c'est un mélange entre on pourrait presque dire un rail shooter et des énigmes. Voilà, c'est grosso modo, hein, si vous avez cette idée-là du jeu, bah, c'est à peu près ça. Puisque rail shooter, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas réellement tirer et vous déplacer en même temps. Vous devez rentrer dans une scène figée, comme si vous d'ailleurs rentrez dans un autre mode de jeu. Où bah, vous devez vous occuper des ennemis que vous devez scanner avant de pouvoir leur tirer dessus, avec des particularités pour chaque ennemi. C'est peut-être d'ailleurs ce qui marche le mieux au niveau du gameplay de ce jeu, c'est les petites particularités que chaque ennemi va avoir, qu'il va falloir connaître ou trouver pour réussir à s'en débarrasser. Alors des fois vous êtes un peu bloqué, c'est-à-dire que vous ne savez pas forcément, vous trouvez pas. Alors vous essayez de vous arranger au mieux pour passer les ennemis. Et donc, dans ce titre, on nous propose différents contrats. Nous incarnons en fait Armand Smith et notamment ses personnalités qui bah, sont l'occasion d'incarner différents tueurs afin bien de résoudre à chaque fois et les différentes énigmes qu'on va nous proposer, puisque chacun des persos va avoir une compétence particulière qu'il va falloir utiliser à un moment précis pour se débloquer et avancer. En fait, alors ça peut être une compétence qui est un pouvoir, courir plus vite, crocheter des cadenas, ou alors tout simplement son arme. C'est-à-dire que c'est une arme, je sais pas, qui fait beaucoup de dégâts, ou qui a une attaque de zone, ou qui ne recharge pas, ou qui a une lunette qui va vous permettre de faire des tirs précis. Voilà. Donc il va falloir jongler avec tout ça durant le jeu. Et c'est vrai que depuis deux contrats là, la difficulté est quand même plus élevée. Hein, on a remarqué donc que ouais, il faut vraiment connaître par cœur. Là, jusqu'ici, les trois premiers contrats, bon, on peut y aller un peu à la piste, à part à certains endroits, certains boss qui vont vraiment demander un personnage précis, vous pourrez pas faire ce que vous voulez, mais là vraiment depuis deux chapitres, c'est vraiment l'idée de dire il faut connaître ce qu'il faut faire, exactement la succession des ennemis, quel perso il faut sur cet ennemi, et voilà, et vraiment avoir une connaissance méthodique et par cœur de ce qui va se passer. Si bien que bah, ce chapitre rencontre, on a refait des parties un certain nombre de fois. Et si ça se trouve, on devra d'ailleurs le refaire puisque je suis arrivé à la fin. Je suis devant le boss. Alors je sais pas du tout à quoi il ressemble, mais j'ai récupéré les trois balles d'âme qui permettent d'accéder au boss. Mais j'ai peut-être, comme j'ai perdu un des persos, alors c'est pas grave, hein, j'ai séparé mes sauvegardes. C'est pour ça qu'ici j'ai deux sauvegardes. Puisqu'apparemment dans ce chapitre, on n'a pas moyen de ressusciter une des personnalités perdues. En tout cas, si c'est le cas, j'ai pas trouvé comment faire, puisqu'on dispose bien de Garciane, mais il n'y a pas les corps ou le corps de la personnalité que vous auriez pu perdre pour la ramener à la vie. Donc, ce qui peut être problématique, parce que si vous avez besoin d'un perso précis pour le boss, bah, si c'est KID, je serai encore une fois, une énième fois, obligé de refaire ce chapitre. Voilà, donc ça peut être un peu bloquant, un peu gênant. Donc surtout, hein, le conseil si vous faites ce jeu, ne sauvegardez pas si vous avez perdu un perso. Vous pouvez sauvegarder ou alors sauvegarder sur un autre slot pour ne pas avoir le souci. Salut à toi Resumo. Bah écoute, merci d'être passé, puis bonne course. Ah putain, à chaque fois je me fais avoir alors que je viens de cliquer. Pardon. Alors que je viens de cliquer sur la fenêtre, je vais voir que je règle ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça en fait. Je viens de cliquer sur mon chat et ça repasse en auto sur mon studio alors qu'il n'est pas en.
Alors qu'il n'est pas en... Comment dire, en... Le premier affiché, là, comment ça s'appelle? Always on, vous savez, là, le fait qu'il soit toujours en devant, en fait, quoi que vous fassiez, c'est pas du tout le cas. Et je ne sais pas pourquoi quand je fais start, faudrait que je regarde, mais pourtant il n'y a pas une mise à jour d'OBS Studio. Je ne sais pas. Bref, c'est pas très très grave. Donc désolé, vous n'avez rien raté puisque je n'ai rien lancé. Donc on va essayer de voir si pour ce boss, il faut un personnage particulier. Voilà. Donc ouais, c'est un niveau pas évident, donc je ne sais pas d'ailleurs s'il va être dur le boss, parce que... ouais, t'as vu Rizomu, c'est assez rigolo, ouais, c'est assez pénible, mais ça me le fait en plus que là, alors... Ah oui, mais je sais pourquoi, parce que j'utilisais pas le chat à partir de ce PC, c'est pour ça. Donc du coup, je pouvais pas faire la fausse manip, puisque ça ne m'arrivait pas d'activer le chat. Donc j'avais jamais vu, faut que j'enlève, il doit y avoir une espèce d'hotkey à la con, il faudra que je regarde si je peux faire sauter ça. Donc, j'ai quasiment fait tout le chapitre avec Kevin. Kevin, c'est celui qui utilise les couteaux. Il est assez pratique puisqu'il ne recharge pas. Alors, le problème, c'est qu'il ne peut pas enchaîner plusieurs tirs. C'est-à-dire que vous êtes obligé de mitrailler le bouton A, à la différence d'autres persos comme Conn. Conn a la particularité, lui, de pouvoir enchaîner les tirs. En fait, il a un tir semi-automatique. Si vous laissez appuyer, il va continuer à tirer, ce qui n'est pas le cas des autres persos. Et puis, lui, donc, il n'a pas besoin de recharger puisque ce sont des couteaux. Voilà. Donc, ça, c'est assez pratique. Sur certains ennemis, ça va être vraiment utile. Alors là, je vais foncer, je vais même pas poser de questions, je vais foncer dans la salle d'à côté. Parce que je pense que je vais être un peu attendu, non? Bon, je préfère pas me poser de questions. Voilà. Ça se trouve, il n'y a personne, hein, mais je vais me mettre ici parce que je sais que dans le passage, là, comme on appelle, il n'y aura pas de soucis. Alors, ma vie est à fond, j'ai récupéré un nouvel anneau, donc celui du temps. J'ai collecté pas mal de sang. Ah oui, c'est vrai que c'est du sang que j'aurais pu utiliser. Le truc, c'est que je sais pas le boss. Alors, j'ai gardé le sang de côté puisque je ne sais pas le boss ce qu'il va me demander. Donc, si j'ai besoin d'un des autres persos, hormis Kaede, bah, je pourrais faire des upgrades. Pour cela, bah, je vais transformer le sang en sérum. Et je pourrais l'utiliser pour augmenter les niveaux de mes persos, puisque vous voyez, en fait, ils ont différents niveaux. Donc là, celui-là, lui, j'avais déjà augmenté. Coyote, il est au max. Conn, il est pas loin du max. Bon, Masque est un petit peu faible. Dan, voilà, je l'avais utilisé au début du jeu, donc il est que niveau 2. Kaede, elle doit être niveau 2 aussi, de mémoire. J'espère que tu l'auras first try et que tu n'auras pas besoin de restart les niveaux. Ah, bah, si j'ai besoin de restart, j'ai besoin de restart. Hein. Si tu veux que je te dise. C'est... Ouais. En tout cas, c'est super sympa à toi de m'encourager. Mais c'est vrai que ouais, bah, le jeu est fait comme ça, le jeu est fait comme ça. Hein. Mais si ça se trouve, hein, comme je le dis, il y a un moyen de ressusciter, mais j'ai pas trouvé. Ça se trouve, c'est juste moi hein, qui suis passé à côté de quelque chose. Alors, est-ce que j'ai le nombre de balles d'âme qu'il faut pour accéder au boss? Voilà, puisque les balles d'âme, en fait, ça vous permet d'accéder au boss. Alors, sauf dans le chapitre d'avant. Voilà, c'est pas forcément obligatoire. C'est bon, donc tout reçu. Donc ça c'est toujours la même scène, hein, voilà cet homme qui nous ouvre un espèce de colisée auquel on va se rendre et ça va nous permettre d'accéder au boss. Voilà, donc là on a petite musique de boîte de nuit. Vrai que j'aimerais réussir à finir ce chapitre avant de partir en vacances, histoire de ne pas me retrouver au milieu d'un chapitre et d'en commencer un nouveau. Ça serait cool. Voilà, donc là on traverse ce colisée. Normalement il n'y a pas d'ennemis dedans, c'est pour ça que je trace. Hein. C'est toujours la même manière de faire. Voilà. Et là, est-ce qu'il va nous indiquer quelque chose? Alors, donc un perso. Quelle couleur magnifique. Des fois il nous donne il nous donne pas mal d'indices sur le boss. Mais devine ce qui s'est passé ensuite. Cet éclat magnifique finit. L'armure se désagrégea. Elle révéla un monstre. Alors c'est vrai que le tueur qu'on pourchasse apparemment tue les enfants. Enfin en tout cas, c'est pas tout à fait ça. C'est ce cerf, il tue pas des enfants. C'est faux ce que je dis. En fait, il est dans un réseau d'enfants orphelins qui sert a priori pour travailler dans le parc, de ce que l'on a compris. Donc la porte de liaison. On a toujours ces phases, ouais, où il faut accéder. Alors. Ah! Merde. Alors je ne sais pas ce qu'il va falloir pour le battre, lui.
J'ai l'impression que ça lui passe à travers. Même les tirs chargés. Ouais, j'ai l'impression que... Ah si! Ok, bah je peux le tuer, d'accord. Ah, quoi que ça se trouve, donc il faut faire que des tirs chargés sur lui. J'économise mes munitions. Ah mince, c'était pas Coyote que je voulais. Alors si ça se trouve, c'est juste un nombre de tirs qu'il faut. Hein. C'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à défaire hier les protecteurs Z. Si ça se trouve, il faut 3 tirs chargés. Mais le truc, c'est que vous voulez économiser vos fioles de sang parce qu'au début, vous savez pas trop ce que vous allez avoir derrière la porte. C'est comme ça consomme les mêmes fioles de sang qui sont utiles pour vous soigner. Ah, il y avait que ça? Ah oui, parce que oui, c'est le mid-boss, pardon, excusez-moi. C'est vrai. C'est d'abord un mid-boss, et ensuite on va aller vers la voie du boss. J'avais oublié, il y a toujours, ça fonctionne toujours comme ça. Ça se trouve d'ailleurs, ça va ouvrir une deuxième partie du niveau. J'avais oublié qu'il y avait aussi des fois cette mécanique. Ça peut être qu'un mid-boss. Et nous amener, voilà, vers autre chose. Bon, en tout cas le mid-boss, on sait qu'il faut masque. On pourra s'en sortir. Donc, plus loin, aller en tournée, mais ensuite il essaie d'en dérober un peu plus, un petit peu. Membre de la force d'autodéfense de Seattle. On sait l'impact de fraternité dans le sang. Alors, on a compris que le gouvernement, en fait, était mêlé hein, à ce réseau d'orphelins. Pedro a comploté contre le Troublion. Alors, Troublion, c'est le boss hein, qu'on va affronter. Pedro a confié la tâche de blanchir l'argent sale à Dan et a chargé le vieux d'éliminer Dan. Enfin, c'est ce que l'on raconte. D'accord. Donc Dan, qui est une des personnalités, enfin, si j'ai bien compris, une des personnalités qu'on utilise, en fait, a été tuée par Arman. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre d'Arman? Est-ce qu'on a une carte? Alors, c'est une salle de sauvegarde. Ok, donc je vais faire un autre slot de sauvegarde, du coup. Puisque, je vous le rappelle, je ne sais pas si, en fait, Kaede va être utile pour le boss qui est dans cette zone. Donc, je préfère... évidemment, jouer la prudence. Alors bon, j'ai de la place hein, sur la carte mémoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les sauvegardes automatiques, heureusement qu'ils ont prévu le fait de pouvoir recommencer le niveau à zéro. Parce que c'est vrai que ça peut être vite bloquant. Alors, non, c'est pas par là. Donc, ben, celui-là. Ah non. Si, c'est celui-là. Alors. C'est trop lumineux, éteins la lumière. Il te frappera pas dans l'obscurité. Allume le projecteur. Explose tout. Élimine-les. Descends-les vite fait. Sauve-moi. Alors, il y a une histoire avec la lumière. Alors, j'ai pas compris, parce que dans un premier temps, il a dit qu'il faut éteindre la lumière parce qu'il va pas nous tirer dessus, mais que pour le détruire, il faut allumer la lumière. On va voir ça. Merde, ce que j'ai pris comme perso. Bon, j'inspecte un peu à quoi ça va quoi ressembler ce boss. Hein. Se trouve que j'ai pas du tout le bon perso, mais. C'est peut-être ça alors quand il nous parle de lumière, non? Pas si je pourrais tirer dessus. Qui c'est ça? Non, ça c'est un. C'est pas le boss. Hein. Si c'est le boss. Donc c'est une écolière. Très kawaii. Ah oui, c'est carrément animé. Ayame Blackburn. Elle est passée où? Ah. Ah oui, putain, elle court super vite. Elle est passée où, du coup? Ah, je la vois, là, Léa. Ah, putain, elle fait que tracer. Alors, comment je vais faire? Elle a l'air de courir plus vite que moi.
Elle me tire dessus. Alors là, ça va pas du tout, ça. Donc je ne peux pas la rattraper. Ok. Ça va être encore une course-poursuite. Ah oui, d'accord. Quand elle n'est pas à la lumière, on peut pas la voir. Quand elle n'est pas sous la lumière... Waouh, mais la vitesse où elle va... Il y a quelqu'un qui ralentit le temps, là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, réfléchissons. Est-ce qu'il faut que je l'attende là où il y a de la lumière? Ah non, parce que... Il a dit... Il disait... J'ai l'impression que quand je suis dans l'obscurité, elle peut pas me tirer dessus. Ah! Ok. Voilà. Ah oui, bah là, à force de rester immobile... Bon, c'est pas très grave, de toute façon, il faut que je comprenne comment elle fonctionne. Bon, ces tirs ne font pas trop mal si on n'en prend qu'un. C'est ça. Donc je peux réussir à l'arrêter quand elle passe sous la lumière. Parce que je la vois. Donc il faut que je réussisse à être en mouvement. Non, là, j'étais trop en retard. Enfin, je me suis pris trop tard. Et après, on a vu, elle a un point rouge hein, sur elle. Il faut réussir à la stopper avec un tir. Ah ouais, là, par contre, j'étais obligé. Non. Ah, elle va super vite. J'ai pas de perso qui ralentit le temps. Qu'est-ce que j'ai comme... Je vais me soigner. Faut pas que je bouge par contre, non. Faut que je mette mon viseur. Oh là. Oh, c'est bon. Faut que je. Donc là, elle doit être dans mon dos. Ok, elle continue de tirer. Ah non. Ah oui, là. Par contre, j'ai pas compris sa séquence de tir. Je sais pas si elle tire tout le temps au même moment. S'il y a une manière. Peut-être quand je suis dans la lumière en fait, tout simplement. Peut-être que je me tienne ici. Là, et je l'attends. Voilà, je suis trop lent. Là, c'est de la lumière. C'est où? Oula. Ah non. Non, ça va pas. Là, j'essaye de la suivre. Ça ne va pas. Faut que je tire à un endroit. Faut pas que je fasse ça. Faut pas que je la suive avec mon viseur. Voilà, sauf que je suis super lent. Ah, elle m'a quand même réussi à me toucher, là. D'accord, donc c'est pas le fait d'être à l'ombre qui fait qu'on ne prend pas de tir. Donc ça ne marche pas. Il faudrait peut-être utiliser... Con, en fait. Hein. Ce con, il peut courir super vite. Qu'est-ce qu'il y a comme... Je suis en train de réfléchir aux capacités en même temps que je joue des différents persos. Parce que là, le zoom ne sera pas d'un grand... D'une grande aide. Hein. L'idée, là, ça va être d'être rapide. De réussir à la canaliser. Et puis de réussir à tirer quand elle est dans la lumière. Je peux pas tirer, là, sur le truc. Ok. Je regardais, hein, je prends de l'information. Donc l'idée, c'est de se mettre peut-être à l'ombre. Avant de la croiser. Elle est où, là? Ah, elle est derrière, moi. Donc j'ai déjà dû la croiser. Ok, je l'ai pas vue. Elle arrive. Ah, là, je vais pas pouvoir y aller. Ouais. Ah, j'aurais pas dû avancer, là. J'étais bête. J'aurais dû attendre. Son tir serait passé, je l'aurais pas pris. J'ai pas trop d'idées. Qu'est-ce que je pourrais tenter d'intelligent? Il faut que j'arrête de courir quand elle tire aussi. Et je lui ai croisé là. Ah non, là, je vais être trop en retard.
Elle est vraiment super rapide. Je pense qu'elle tire sur toute une rangée. Ouais. Ah ouais, elle est vraiment plus rapide que moi. Ok, donc là, aucune chance de la rattraper. Arrêtez de courir, là, ça part devant. Elle doit tirer sur toute la largeur du terrain, en fait. J'ai l'impression. Ah, trop lent. Ah, c'est vraiment dur. Donc, il faut que j'ai... Est-ce que j'ai un pouvoir d'arrêter le temps? Alors, attendez. Si je meurs en pause, elle me tire pas dessus. Bon, c'est pas grave. Hein. Si je meurs, je meurs. Hein. J'ai sauvegardé, de toute façon, juste avant elle. Oui, donc c'est bon. On s'en fiche. Est-ce qu'il y en a un? Pistolet automatique à lunettes. Pistolet silencieux. Revolver utilisé du sang pour faire des balles démoniaques. Invisibilité. Ah oui, mais je suis bête. En règle générale, contre eux, on ne peut pas utiliser les compétences... si je dis pas de bêtises, contre eux... Je crois qu'on peut pas utiliser les compétences. Ouais, voilà, c'est ça. Donc... mon idée, c'est... Donc c'est juste sur une arme qu'il faut que je cherche. Tiens, on va voir si ça là. Ouais, ça l'affiche. Ok. Putain, c'est vrai que je peux la post-bufferer autrement. Toi, j'y avais pas pensé à ça. Je peux la post-bufferer. Faut que je regarde, c'est une idée à travailler. Alors, est-ce qu'il y a une arme qui pourrait être intéressante? Double pistolet automatique. Y a Con qui peut être intéressant parce que Con fait des tirs en rafale en fait. Donc du coup peut-être qu'avec la rapidité de tir j'ai une chance plus élevée de la toucher. Con se déplace vite en plus. Je vais essayer de voir. Ah, je fais la post-bufferer juste avant en fait. Je fais pas la post-bufferer et viser juste après, ça serait un peu trop facile. Un risque de tirer là, non? Elle est déjà là. Ah si, j'étais sûr de savoir quand est-ce qu'elle ne me tire pas dessus, mais je n'ai pas compris le pattern encore. Ah, j'ai cru que je l'avais eu. Bon, il faut faire ça. Hein. Je pense qu'il faut réussir à l'attendre. Je vais prendre. Ouais, pas génial ma technique, hein. Oh, elle arrive tellement vite. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Voilà. J'enlève ça, sinon je vais pas arrêter de le toucher. Ah, puis là, je suis trop loin. Peut-être maintenant qu'elle a tiré, je peux peut-être... Ah bah non. Ah là là. Bon, avec ce perso, c'est pas génial. Hein. Alors, essayons avec quelqu'un qui fait des dégâts de zone. Bon, j'y crois pas, hein, mais... On sait jamais. Un dégât de zone. Vu la lenteur de tir, je suis pas convaincu. Ah, je suis trop loin, là, de toute façon. Oh, putain. Ah, putain. Alors lui, il met tellement de temps à tirer. Je vais juste arriver, à mon avis, à la freiner. Je pourrais pas enchaîner derrière. Ah bah là, j'ai tiré bien avant qu'elle passe. À mon avis, lui, ça va pas aller.
trop lent. Ah mais il faut déjà que je vise en plus, hein. Faut que j'arrête de tirer n'importe où au sol, il n'y a aucune chance que je la touche en visant aussi mal. Non, je pense que c'est... Avec lui, j'y crois pas bien. Hein. À réessayer, mais... Elle est déjà passée? Ah non, ok. Ah oui, lui, c'est plus immédiat comme tir. D'accord. Ça, c'est pas mal. Ouais, lui au moins il n'y a pas de temps de... Entre le moment où je vise ou le temps... Enfin, le moment où j'appuie, il tire pas... Oh là là. Ouah. Ah ouais, par contre, il a pris super cher en termes de dégâts, là. Je sais pas pourquoi il en a pris autant. Je pense qu'il a pris l'aller et le retour, là. Elle a dû tirer dans l'angle. Par contre, ça a l'air très aléatoire, malheureusement, son tir. J'ai pas de moyen de... Ah merde, elle est là. Je suppose qu'avec lui non plus, je peux pas la rattraper. Ouais, elle est vraiment trop rapide. Ah là là là, la strat va pas du tout. Hein. La strat ne va pas. Ah, je suis loin là. Oh là 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 là. Elle passe tellement vite, elle prend aucune des balles. Ça se trouve, alors il faut qu'à aider. Ouais. Parce que là, je vois pas. De toute façon, c'est vrai que sur les armes, il y a très peu de spécificité. Hein. Vous avez une arme avec une attaque de zone. Tout à l'heure, j'ai vraiment eu du pot de réussir à la toucher. Hein. Je sais pas comment j'ai fait mon coup pour réussir à la toucher complètement au pif. Je vais prendre. Ouais. Ah, il n'y a pas moyen. Alors en fait, ce qui me dérange, c'est que son tir n'est pas cyclique. Je pense que malheureusement, il n'est pas cyclique. C'est ou alors. Ouais, non, parce que là, elle s'est remise à tirer. Oh, je vais mourir là. Parce que je me soigne vite. Ouais. Son tir n'est pas cyclique puisque là, elle s'est remise à tirer quasiment immédiatement. Et what, on sait pas. Et là, elle s'arrête plus de tirer. Si ? Elle tirait tout le long. Ouais, donc son tir, malheureusement, est aléatoire. J'ai bien l'impression, parce que là, on a vu, elle s'est remise à retirer directement, alors qu'il n'y avait pas de raison de tirer. Si c'était... Ouais, voilà, je vais prendre. Bon. C'est moi ou plus on attend, plus elle fait que tirer ? Bon, alors, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Hein. Clairement, est-ce qu'il y a... Ouais. Hey, en plus, le problème, c'est que si j'attends trop à côté du pilier, je n'ai plus l'angle de vue nécessaire pour la voir arriver. C'est pénible, hein. Ah si, là, c'est peut-être bon. Ah merde. Bon, la position, c'est mieux. Je pense que c'est ce perso qu'il faut utiliser. Bon, de toute façon, il va mourir. Ah. Merde. Je vais la suivre un peu en attendant qu'elle tire, là. Parce que vu que ça fait un moment qu'elle a pas tiré. C'est bon? Ah, non, c'est pas bon. Oui, ça y est. Il faut tirer où après? Si il allume la lumière et explose là. Il doit avoir un truc là.
Donc on a que le premier, à mon avis, on a que le premier pattern en fait. Donc il faut lui tirer dessus quand elle est sous la lumière, mais il doit avoir autre chose à savoir. Aïe, Sim. Oh, you don't speak French. Oh, it's not a problem, you know. I can speak English. And I can die. Ah, Simna. Okay. Oh, it's a GameCube. Yes. It's a GameCube version of this game. Well, I know a nice strategy. Oh, it's kind, but I want to try a little more in order to discover. I find a way to stop her, but I don't know. Ah. But I don't know how to. To attack her just after. Far. Oh, you speedrun this game? Seriously? Oh. I cut out. Oh, it's really impressive to. It's normal. I don't have any blood. I don't have blood anymore. So what's the best time for this game in speedrun? So it's I don't know, it's something like any percent single segment, or maybe it exists some I don't know, individual levels or multi segment of this game. No, I just want to. Oh yeah. Prefer reset because I have a save. This record, the record for normal difficulty on GameCube. 241. Ouais. And what's the difference between normal difficulty and I don't know, hard difficulty. Enemies do more damage or something like that. Oui, c'est celui-là. Alors, deadly difficulty, enemies have more health, and some puzzles. Oh! Some puzzles are harder? Bloodbath! Oh, bloodbath difficulty, yeah. Ah oui, autofocus. Ah oui, c'est parce que j'ai reset la console. Du coup, là je vais directement au boss, wesh. Donc je vais peut-être garder. Ah mais du coup, il m'a gardé. J'avais con ici pour rentrer. Qu'est-ce qu'il me dit, Travis?
Voilà, c'est la même chose. Éteins la lumière. Il ne te frappera pas dans l'obscurité. Ouais, mais moi ça marche pas, il me tire quand même dessus. Explose tout, éliminé. Descends-les vite fait. So you have to do. You have to do something with light. But it's a strange because I have the impression that I can get some damage even if in night area. Also, you use this animation is really really great. Completely magical girl thing. Bon, elle est passée où? Merde, elle tire. Elle va pas s'arrêter, bon, je vais le prendre. Do you like Con? Oh, in this chapter is really interesting because he can he have semi-automatic shots, so you have just to maintain A button to shoot multiple bullets. So it's interesting things against some too far against some foes, but in fact. I played Kevin a lot. Je sais pas si c'est sur. Il y a un point rouge sur sa culotte, je sais pas si là où il faut tirer. Si vous avez une idée dans le chat, n'hésitez pas. Ah, c'est bon, là, derrière moi, je vais la laisser tirer. I'm not surprised that that exists a quick kill or a quick kill, sorry, on every boss in this game, but I'm not going to speedrun this game. I just try to find how to beat her. Too late. Oh, I can only hit her one. So it's just a number of hits. We don't have to do something special between the first hit. Oh, it's just okay. Just once by. Which character have you upgrading? Almost all. But not mask level 2, coyote level 3, coyote con level 3. Oh no, coyote coyote level 4. And the overall level 2, if I remember.
Nope, it's just getting her health to... So once you have hit, you have other thing to do? Oh. Ah bah là je vais le prendre. Ah ok, it's working like that. It's just a number of hits, in fact. It's not like the I don't remember the names, but the double edge person, the edge boss. Because you have oh, it was really bad because I don't press. Faut que je m'approche d'un pilier. Voilà le tir. Ah bah les jeux. Ah, je pensais pas qu'elle allait tirer à ce moment-là. Ouais, par contre, ce qui me dérange, c'est que ces tirs m'ont l'air ultra aléatoires en fait. Je pense pas du tout qu'ils soient séquencés les tirs. Ou alors, c'est genre, elle fait une salve, deux salves, une salve, deux salves. Ah, je suis trop loin. Non, ça passe. Faut que je m'approche d'un pilier, ça va pas du tout parce qu'en fait, j'ai aucune idée du temps qu'elle met pour faire un tour. Ça me dérange énormément le timing en fait. Parce que. Ah, ouais, là, elle est. Non, ça va pas. J'étais trop loin du pilier. Faut que je sois mieux timé. En fait, mon vrai problème, c'est que je ne sais pas. Il faut que je passe quoi? Trois piliers? Ouais, trois piliers peut-être. Je vais faire comme ça. Non, ça, ça va pas. Donc, un. Ah. Non, c'est bon, elle doit être devant moi. Deux. Trois. Trois piliers, ça passe? Ah, ça va être un peu juste. Un. Deux. Trois, elle est en train d'arriver. Ça me laisse le temps de recharger ça. Voilà. J'étais en retard. Je vais laisser passer trois piliers à chaque fois. Ça me l'air ouais, ça a l'air d'être. Ah, je vais être en retard. Non, là, j'ai pris du retard. Ah non, j'étais en avance en fait. Ok, j'ai cru qu'elle était déjà arrivée. Là, je suis trop près du pilier, ce qui fait que mon angle n'est pas suffisant pour l'avoir arrivé. Donc, il faut que je me trouve. Ah, c'est un peu mieux. Oh, yeah. Yeah, I played FF7. But my pseudo... is not connecting to Final Fantasy 7. It's strange, but it's... It's weird.
essayer comme ça. La technique des trois piliers, c'est pas mal. Je suis un peu loin là. Voilà. Là, c'était du pif. Hein. Ah oui, je vais t'en retard là. Ah, c'est pas grave. This boss is very interesting part of the game. It's often the longest fight in casual play, but short. Oh là là, bah j'ai pas de coups là. Deux tirs. Ah bah elle retire encore. Ah. Ah si, je vais prendre un dégât là, c'est que je l'ai pas vu. Heureusement qu'elle fait pas trop de dégâts. Bon, le seul problème c'est que si on se retrouve dans une rafale... Alors, je pense que par contre, si elle est en train de tirer, que vous le tirez dessus, c'est la stunlock, et je pense qu'elle vous tire pas dessus, du coup. Ah bah là, j'ai tiré dans les... Ouais, là, évidemment. Je tire dans les jambes. Ah. Quand tu prends un random hit, par contre... Ouais, donc c'est ça, il doit avoir un... Il doit avoir un certain nombre de fois où elle fait deux... Ah ouais, trois salmes, alors là, voilà. C'est pour ça que je suis... Soit son rythme de tir accélère, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui change, en fait. C'est pour ça que j'avais l'impression que ça, ça doit pas être aléatoire, mais ça doit changer. Ça, c'est la sexe... Ah, ouais. Je pense que plus ça va, plus elle tire. Et là, du coup, je suis plus du tout dans le rythme, parce que je ne fais que tirer dessus. Ouais, je pense que plus le combat, malheureusement, avance, plus elle tire. Elle est où? Ah, elle est déjà passée. Ouais, c'est bon, elle va tourner là, non? Ah, par contre, je vais encore prendre un tir. Ouais, je pense qu'elle doit tirer de plus en plus souvent, plus les tours s'enchaînent. Qui explique que je prends de plus en plus de tirs. Ah bah là je viens de la croiser, bon. On va compter que je l'ai croisé ici, tac tac tac. Ah non là c'est... Faut que je vise plus bas là, trop. Ouais, c'est ça, elle tire de plus en plus souvent en fait. Plus les tours passent, plus elle doit faire des tours, plus elle... Oh, deux fois de suite. Bonne chance. Ah, dommage. Ah, alors ça par contre, quand tu... Oh là, je vais en prendre un autre. Oh, je vais mourir. Ouf, j'ai de la chance là.
Oh là là, ouais. En fait, et je pense que la longueur des tirs, en fait, augmente aussi. Elle tire de plus en plus longtemps. Ouais, bah ça va être pénible en fait. Did you hear? This game is getting released on Steam? Yes, yes. It's for that I do this game, in fact. It's the reason why I'm trying to beat this game. But it's not hard, but when you don't know how to manage a boss, it's some kind of difficult. Puis c'est ça en fait, plus ça va, plus elle tire. Ah, là, elle fait que tirer. Là. En fait, c'est peut-être à chaque fois que je la touche, d'ailleurs. À chaque fois que je la touche, ça se trouve, sa cadence de tir s'intensifie. Ça va être quelque chose de dangereux. Oh yeah, it's a good idea, yeah. Maybe. Gassian, but it's really hard to focus with him. Bon, je vais essayer. I just try. I think he's too. Ah bah! Ah bah, ici ça fonctionne. Ok. Oh, so I have a question about this chapter. You can resurrect any character. Yeah, super low damage. He can resurrect in this chapter because I don't find a way to use Gashian skill in order to resurrect any character of this game in this chapter. It's normal, or I'm just too bad to understand how to use his competent his sorry skill. Ok, because ah oui d'accord, ça commence direct là. Putain, merde, je m'y attendais pas. Ok, so I'm really bad because I don't find a way to resurrect here. I lost
I don't remember, I lost. Oh, which one? And I can't find a way to resurrect with Garcian, so. I just think it was normal. Wow. Yeah, Coyote also. I try some hit out. Yeah, but here you can use any skills like that, so you have to you have just to choose good weapons or. J'arrive pas à me faire. Ah oui, ben non, du coup, c'est pour ça que je voulais reset. Ouais. Ça va, je vais reset. Parce que du coup, je n'aurai pas de sang. Oh. I prefer con. In fact. So, in fact, with this boss, the more you hit her, the more she blasts you. In fact, yeah, con. High speed, yes, high speed and double guns, rapid fire. So it's really interesting. Characters for on this boss. But I'm too bad to reach the. The point. It's a good point. And the level of each characters are really important because we don't I don't know I don't have the impression that I don't have the feeling that it's really really important. Maybe for the other skills. I told you the character, but not the strategy. Oh, you can save the best character for this boss. It's not a problem. I prefer to use. Ah, yeah.
It's not a good experience with his life. I try. In fact, when you are not here, I try mask. It was my second choice, but I can't timing the when fired. In fact, it was too hard to me to exactly know when I have to shoot. I have to shoot her. So. I don't use mask because it's really hard for me, and I think it's really hard for a first try to use a. Yeah, I know that he has AOE, or of effect with his. Bullets or shots, but I find yes, but the timing to hit her, it's not my thing. I can try again. With mask. Oh yeah, short shots, yeah. Cutscene. I am a black bird. Ah bah j'ai passé, ok. Ça se trouve faut que je compte que deux avec lui. Elle va passer. Un, deux. Ah, ça va pas parce que je suis pas dans le. Bon, je peux essayer sur celui-là, mais. Ah, ok. Elle succède. I'm not concentrated enough. No, too late. No, too late. Vraiment, je réussis à être avant. Peut-être que deux, ça suffit en fait. Je vais l'attendre à celui-là. Ah non. J'ai rechargé. J'ai pas rechargé, ok. J'arrive pas à me souvenir quand j'ai rechargé le pas que j'ai rechargé.
Allez, 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 allez. Ah! Oui, I lost my focus. Oh, it was very strange. Oh, c'est not a problem. Ah non! Je voyais rien en fait où j'étais, non, c'est pas une bonne idée. Là. Ah là c'est mieux. Ah non. Un petit peu trop tôt. Ah. Je vise super mal. Oh. Ok. Nice advice. 5 Simba. Simna, sorry. It's not Simba. Simba, it's for the Lion King. So, that bus. Ah, il y aura une deuxième partie. Oh, we asked you to, without your advices, it takes a longer, very, very long time. Pedro Montana. Rencontre. Meeting. Meeting in English, something like that. Rencontre. Ah, c'est ok. Encounter. Yeah. Ah, yeah, because meeting is something like business. Yeah, meeting is for work. Yes, encounter in English. Ah, j'ai Samantha, je peux sauvegarder là alors. Yes, a save. So, in fact, I was lucky because I for this boss fight, it was not necessary to have a KD because I lost her. So, okay. So in the speedrun of this game, so you use mask at a maximum level to beat this boss.
With a charge shot. Oh, and what's the best strategy on the two elder persons in Japan, bo Japan bosses? The two businessmen. Yes, use a short shot with two blood against that boss. Oh, so it's really, really quick. Yes, the two Japanese businessmen. Old one. Because it was really, really long fight for me. Because at the beginning, I didn't use Kaede, so I didn't see the red spots. Yes, Akiba and Kolahashi. The fastest way is using Kevin. Oh, Kevin, but wow! It was. Yeah. Don't do it. We just use Kaede. Okay. Yeah. It. So, in fact, I stopped with this game here because I will be on vacation, so I don't want to begin another chapter and stopped in the middle, and just after we take the game something like 1 month later. So I don't do that. I don't want to do that. So I stop Killer 7 here for a moment, something like maybe 1 month, and I do some Tetris right now. Oh, you got out of sleep. So really, many thank you. Thank a lot, and good night. You are a great help, and good luck for your speedruns. Oui, donc je disais, je vais m'arrêter, je vais pas arrêter de streamer, mais je vais être obligé de couper le stream. Du coup, je vais faire du Tetris, puisque je ne veux pas continuer. En fait, je veux pas entamer un nouveau chapitre de Killer 7 et me retrouver comme dans un chapitre comme celui que j'avais là, vraiment très compliqué. Heureusement que j'ai eu l'aide de Simna, parce que je pense que j'aurais passé encore 1 heure sur le boss avant de l'avoir, parce qu'il fallait beaucoup de dégâts avec a priori avec Conn pour m'en sortir. Donc si j'avais pas eu l'aide de ce speedrunner, ça aurait été assez compliqué, même si on avait trouvé la stratégie. Mais en fait, je pensais qu'il fallait faire quelque chose d'autre et pas uniquement lui tirer quand elle est dessus, quand elle était sous les projecteurs. Donc je préfère, comme je vais être en vacances et que bah grosso modo ça va faire 3 semaines. Ouais, je veux pas commencer un chapitre, m'arrêter en plein milieu et me dire ouais, qu'est-ce que je dois faire et tout devoir reprendre. Non. Voilà, comme ça on attaquera la rencontre deuxième partie quand je reprendrai. Et donc là, bah, je vais faire du Tetris. Voilà, donc je vais être obligé de couper le stream parce que en fait, je suis obligé de faire basculer la carte de capture. Donc vous pouvez rester, sur le chat et tout. Par contre, vous serez sans doute obligé de rafraîchir peut-être votre fenêtre. De votre fenêtre Twitch, puisque je crois que Twitch a un petit peu, enfin toujours un peu de la merde. Quand un stream s'arrête, en fait, il a du mal à le relancer automatiquement. Donc voilà. Donc je vais arrêter ce stream et puis juste derrière, je lance du Tetris. Mais plus de Killer 7 pour aujourd'hui. Donc merci à ceux qui ont suivi la partie Killer 7 avec le qui me dit Twitch faire de la merde, ça n'existe pas. Merci encore une fois, thanks Simna, Simna-san, arigato gozaimasu. Et donc Tetris, voilà, donc tout un autre univers, hein. Moins de tuerie, plus de cubes, mais de la vitesse aussi, de la vitesse quelque part. Allez, donc peut-être à tout de suite, et puis peut-être à une prochaine fois si vous ne suivez que Killer 7. Ciao!